personne qui ressort. Que voulez-vous? Où est le bâtard? En voilà un qui a une sacrée paire de couilles. Mais je te reconnais, fils de pute. C'est toi qui as buté Holgar et Vic. Non. Vous devez faire erreur. Empêche-le de s'enfuir. Sale merde. Sale pervers dégénéré. S'il a touché un seul cheveu de Ciri, il va le regretter. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?
aide! Au secours! Personne ne viendra. Arrêtez! Qu'est-ce que vous me voulez? Salut, petit. Je suis venu pour parler. Je ferai tout ce que vous voulez. Commence déjà par répondre à mes questions. Je vais tout vous dire. Je cherche une jeune femme et un ménestrel. Je sais que tu les as rencontrés. Une fille? Tout ça pour une putain? Cheveux cendrés, une épée dans le dos, comme moi. Oui, oui, oui. Je me souviens. C'est bien elle. Écoute-moi bien. Tu as intérêt à me dire la vérité. Tu veux savoir pourquoi? Je mentirai pas. Promis. J'ai mis du temps à te trouver. La route a été longue. Je suis fatigué et très en colère. J'ai dû parler avec toutes sortes d'ordures dans ton genre. On m'a menti, on m'a volé, on s'est foutu de moi. Mais maintenant, c'est fini. Un mensonge. Un simple petit mensonge de plus. Et ce sera le mensonge de trop. Tu comprends maintenant? Tu comprends pourquoi tu dois me dire la vérité? Oui. Bien. Tu vas me dire comment tu as rencontré cette fille aux cheveux cendrés et ce qui lui est arrivé ensuite. Ce qui lui est arrivé? Elle m'a attaqué! Ne mens pas, sinon je te coupe les couilles. On avait passé un accord. Je devais réparer leur filageuse magique et en échange, la fille et le chanteur devaient m'apporter le trésor de Siggy Reven. Ils n'ont pas respecté leur part du marché. Alors quoi? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai enlevé leur larbin, Dodo, et j'ai attendu qu'ils viennent le chercher. Regardez, c'est ça qu'ils m'ont demandé de réparer. Un phylactère. Tu sais réparer ce genre d'objet? Moi, non, mais je connais un gars qui... Ne me fais pas perdre mon temps, je veux des détails. D'accord, d'accord. Je vais tout vous raconter. J'ai comme un mauvais pressentiment. Écoute, Jasky, on ne peut pas laisser Doudou entre les mains du petit bâtard. Oui, je sais. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un mauvais pressentiment, malgré toute la sympathie que j'ai pour lui. Rassure-toi, tout ira bien, j'en suis sûre. Ça ferait une belle épitaphe. Nous y sommes. Tu as réussi à savoir dans quelle pièce se trouve Doudou ? Une chambre au dernier étage avec un balcon. Je vais passer par les toits. Attends-moi devant chez le bâtard. Et débrouille-toi pour ne pas te faire remarquer. Si jamais, s'ils te font du mal, le bâtard le paiera cher. Il faut que je passe par le toit. Une chambre au dernier étage, avec un balcon. Voilà le balcon. Voyons ce qui se passe à l'intérieur.
À présent, mon cher Dodo, je vais essayer un nouvel outil. Celui-ci ne m'amuse plus du tout. Vous êtes fou allié. On vous l'a déjà dit. Non, les gens me trouvent charmant. Une fois qu'ils me connaissent bien. Dites-moi, vous aimez les rencontres inattendues? Oui, pourquoi? Tu veux me présenter quelqu'un? Ah, te voilà. C'est gentil à toi d'être venu. Je t'attendais. Je vais te triper, sale chute. J'ai les tripes, petite salope. Ils arrivent! Doudou, écoute, voilà ce qu'on va faire. Attrapez-moi cette pute! Défoncez-le! Butez-le! Une aide, les gars! Allez, attrapez-la! Tête de merde! Défoncez-le! Butez-le! Du nerf, les gars! Allez! Ah. Tous sur lui! Ah. Allez, attrapez-la. Cette fois, ton compte est bon. Tous sur lui. Allez, attrapez-la. Yeah!
Défoncez-le! Putain! Merde, les gars! Tous sur lui! Allez! Défoncez-le! Butez-le! Du nerf, les gars! Allez, attrapez-la! C'est vrai, je vous le jure. Qu'est devenu Doudou ? J'en sais rien. Cette petite merde a disparu. Il s'est volatilisé. Qu'est-il arrivé à la femme ? J'en ai pas la moindre idée. Elle a été blessée au dos. Mais elle est encore en vie, je vous le jure. Vous n'avez rien d'autre à ajouter ? Non, je vous assure. Je vous ai dit tout ce que je sais. Vous avez blessé la femme et torturé son ami. C'est elle qui m'a attaqué. J'ai fait que me défendre. Je vous en prie. J'ai eu ce que je méritais. Pitié. Je vous en supplie. Que les choses soient bien claires entre nous. Cette femme que je recherche est comme une fille pour moi. C'est pour ça que je ne peux pas passer l'éponge. Non ! Thank you.
déjà combattu un sorceleur ? Votre problème est résolu, apparemment. Il est temps de rendre l'appareil. Et Radovid n'aime pas attendre, n'est-ce pas ? Non, en effet. Suivez-nous. L'Oxenfurt traite au gore de Sa Majesté, l'ancien joyau de la flotte rédanienne, est désormais retiré du service. Joli bateau. Avant de monter à bord, remettez-moi vos armes. Suivez-moi. Ce navire a été construit grâce aux dons des nobles rédaniennes. Les plus grandes dames du royaume ont cédé leurs bijoux pour sa cause. Et l'admirable élan de patriotisme. Vous êtes un apatride. Vous ne pouvez pas comprendre l'amour que l'on voue à son pays. Vous avez besoin de mes services, Majesté ? Toujours aussi direct à ce que je vois. Très bien. Je veux que vous retrouviez Philippa Ellart. Je lui ai fait crever les yeux autrefois, mais apparemment sa cécité ne l'empêche pas de nuire. D'après mes chasseurs, Dame Ellart se terre quelque part à l'est d'Oxenfurt. Son repère est protégé par sa magie. Y pénétrer ne sera pas chose aisée. Cependant, je vous en crois capable. Amenez-la-moi, vivante. Philippa Ellart. Que vient-elle faire ici ? J'imagine qu'elle cherche à retrouver ses vieilles connaissances pour reformer la loge, et probablement se venger de moi. Dame Ellart est une femme particulièrement obstinée, j'en sais quelque chose. Enfant, je craignais ses leçons bien plus encore que ses mémorables punitions. C'est une femme cruelle, subtile et patiente. Même aveugle, elle reste redoutable. Ne la sous-estimez pas, sorceleur.
Pourquoi ne pas faire appel à des magiciens? Ce serait plus logique. Je ne peux pas compter sur leur aide. Nous sommes en désaccord depuis les incidents de Lockmune. Les incidents? Vous les avez tous rassemblés pour mieux les massacrer. Ne sortez pas les choses de leur contexte. Ils voulaient reformer le conclave, celui-là même qu'ils avaient autrefois démantelé. J'y étais plutôt favorable, de même que les autres souverains, jusqu'à ce qu'un certain sorceleur ne révèle que la loge était à l'origine des régicides. Les magiciens étaient des traîtres, et le sorceleur excelle dans la traque des traîtres. Partez maintenant et ramenez-moi Philippa Elhart.